à tous mes petits poulets. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur Movistar Planet. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur mes photos. Donc j'ai déjà vu qu'il y avait des vidéos, je réagis à mes forums, je réagis à ci, je réagis à ça, mais je n'ai jamais vu je réagis à mes photos. Sachant que moi je mets énormément de photos sur Movistar Planet et que plus on critique, plus j'en ajoute. Eh bien disons que j'ai des commentaires assez rigolos. Donc aujourd'hui je pense que je vais y répondre. Il n'y aura pas de pseudo caché ou quoi. Je ne cacherai pas les pseudos, je vais pas m'amuser à tous les cacher. Donc je vais aller dans mes photos que j'ai eu dans le top, qui ont été déposées sur mes photos. On va voir. Je sens que ça va être oulala, mon dieu. Allons dans les photos. Et allons dans mes photos. Alors j'en ai qui n'ont pas beaucoup de love it. Donc voilà, on a beaucoup de commentaires du genre elle est moche, elle est moche. Voilà, je suis moche, mais toi t'es moche. J'adore ton look, 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 mais toi t'es moche. Ah, le look Movistar Planet. Oh mon dieu. Et Luna, va falloir peut-être que tu t'expliques un peu mieux. Grave moche, force pas, force bzba. Ouh, Bélalialia, va falloir peut-être aussi que tu fasses attention à ton orthographe. Je sais que moi je ne suis pas forte en orthographe, mais quand même là il y a des limites. Et un truc que j'adhère vraiment, c'est que quand je mets une photo et que je mets pas de description, genre moi ou avis ou quoi, les gens ils critiquent quand même. Après voilà, je m'en fous. Donc là on a un truc de Rocksky, Stafouala. Stafouala, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les gens qui s'y connaissent, dites-le moi. Stafouala, je sais pas ce que ça veut dire. Moche de ouf. Je suis moche de ouf. J'aime pas. Bon voilà, ça c'est un commentaire constructif. J'aime pas, désolé, point, j'aime pas. Voilà, t'es ni moche, t'es ni belle, j'aime pas. Willy, tu fais flipper. Alors, dites-moi un commentaire si je suis vraiment flippée. Parce que là, moi j'ai pas l'impression de faire peur. Enfin, après, je sais pas. Horrible les cheveux. Déjà, horrible, ça prend un H et deux. C'est pas mes cheveux, c'est une perruque. Regardez, maquillage plus couleur, plus ras du cou, plus peau blanche est égal chelou. Ah, tes souhaits. On voit pas en quoi le ras du cou vient faire là-dedans. Le ras du cou, tu peux en mettre même quand t'as la peau noire ou blanche, on s'en fout. Ok, perso, j'aime pas. Mais ça, tu fais ce que tu veux, HN. Pouah, mes yeux. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, quoi. Ça, ça m'a fait trop rire. La meuf a dit perruque, tu triches. Mais en quoi je triche? C'est un manga. C'est une couleur manga. Ouais, voilà, c'est une couleur manga. C'est rien de plus, y a rien de méchant. C'est quoi cette Gilgsle. Eh bien écoute, je me déteste, tu as bien fait te détester. Parce que ouais non, tu devrais même te deleted. Alors Tingami Nender, tu joues encore aux peluches. T'es moche en plus, tu t'inventes des vies. Attends, je te réponds Luna, encore une Luna, putain, ils sont tous attaqués les Luna. Pourtant j'ai rien contre les Luna, hein. Je vous aime, hein. Tingami Nender, tu joues encore aux peluches. Alors c'est une marionnette d'un manga qui s'appelle Date Live. C'est la wig de Yoshino, c'est un t-shirt que j'ai normal. Voilà, je sais pas en quoi je m'invente une vie, c'est bien moi. Donc voilà, enfin je sais pas. Là va falloir m'expliquer quand même. T'as mis une perruque. Non, j'ai collé des poils de cul sur ma tête, ben oui. Eh masquine. Eh mesquena. Eh de Maria Belle mesquena. Je suis une mesquena. Je vais faire un album dessus. Mesquena, mesquena, mesquena. C'est une garce. Je suis une garce. Oulala. Ça pique les yeux. Moi, c'est ton orthographe au niveau des yeux qui me pique énormément la rétine. Ça va même brûler si ça continue. Arrête de faire la meuf, s'il te plaît, car t'es moche. En fait, je suis pas exprès de faire la meuf. C'est ma mère qui m'a fait comme ça. Elle m'a fait. Enfin, elle m'a fait si. J'y peux rien. Je peux pas m'arrêter de faire la meuf. C'est pour toi, je ne peux pas faire le garçon. C'est impossible. Une rebeu. Nulle. Tu peux pas dire nulle en fait. C'est pas un commentaire constructif. Par contre, t'aurais pu mettre des chaussures et des choses. Attends, tu veux pas non plus que je mette une doudoune, que je mette un des après-ski, que je mette une tenue de ski pendant que tu y es. Je suis dans mon lit. Putain, l'autre, elle a cru, elle vivait dans les mangas. Meuf, on est dans la vraie là, pas dans la vire des mangas. Ok, si vous avez compris quelque chose, pouce bleu et voilà. Moi, c'est bon, je casse, je me suicide, j'en sais rien, je fais un truc. En vrai, je te réponds, je ne dis pas dans mon des mangas, c'est du cosplay. Je fais des photos. Voilà, ce sont juste des photos cosplay de manga. Si tu connais pas les mangas, je te conseille d'avoir sur Google ton seul ami pour savoir ce que c'est. En vrai, celui-là, il m'a fait trop délirer. Sérieux, cherche un trave plutôt. Pourquoi je chercherais un trave? Un travelot? Pourquoi je chercherais un travelot? C'est quoi le rapport en fait avec le cosplay? Je comprends pas, hein. Va falloir m'expliquer quand même. On l'amène, c'est Zakia hashtag, mais arrête avec tes photos. Wesh, où trouve-toi un autre décor? Ouais. Loul. Et on a horrible 2. Ah, puis c'est ajouté, j'aime beaucoup mon décor, donc voilà. C'est le plus beau commentaire de ma vie. Arrête avec tes perruques de merde. GG Anaïs du 106, tu détiens l'orthographe la plus pourrave au monde. Voilà, je t'aime. Voilà, gros bisous à toi. Alors, nul, tu crains, ça craint, t'es une ch. Vous voyez le reste, une ch. Une ch. Ah, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire une chouin. Mais en quoi je suis une chouin dans cette photo? Je suis juste en cosplay de Hatsune Miku. Et beaucoup de gens aiment beaucoup Hatsune Miku, donc je comprends pas. Ouais, tu t'écris Halloween ou quoi? Bah, réveille-toi. Halloween, c'est passé, je tiens à te préciser quand même. Donc, non, je ne me crois pas à Halloween, je me crois dans un jour normal où je fais juste des petites photos kawaii en cosplay. Voilà, y a rien de méchant. Voilà, j'ai rien fait de méchant, j'ai pas fait d'attentat, j'ai tué personne. Donc voilà, peut-être que toi, oui. Hein. Franchement, hashtag Zakia, hashtag, je te fais des gros bisous parce que tu commentes mes photos et pas plus tu commentes, plus ça me fait des commentaires, plus ça me fait des vues, plus c'est cool. Voilà, c'est comme les haters, c'est pareil, c'est trop cool. Donc, c'est quoi ça? Et vous avez pas l'impression que cette meuf là, elle écrit bizarrement. What? Les habits. Les habits. Là, c'est encore le plus beau commentaire. Donc, c'est de mode, ça ne te va pas. P1S. P1S. Voilà, je suis pas. Je suis P1S, pas bien. P1S, bien. Voilà.
Voilà, je suis PRS. Écrivez PRS maintenant. Voilà. Le kawaii te va pas du tout. Change de look. Mathis, truc là. T'as pas l'air du tout kawaii, toi, ce que je vois. Non, c'est pas kawaii ça. Waouh. Même, en fait, là, je suis pas censée être kawaii, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je t'en veux pas. Enfin, bref, voilà. Je vais sûrement avoir d'autres commentaires. Je pense que je vais poster d'autres photos. Si vous voulez que je poste d'autres photos, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. J'en posterai et tout, et on verra les commentaires pathétiques de haters. Donc, voilà. Après, t'as le droit de ne pas aimer, mais tu n'as pas le droit de juger comme ça. Je trouve ça un peu con. Donc, voilà. Donc, si t'as kiffé ce genre de vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais en revoir d'autres. Et pour ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!